La vérité sur l'exploitation des ressources en Afrique. L'Afrique, riche en ressources naturelles, fait face à une exploitation intense. Ce sujet brûlant soulève des questions cruciales sur l'avenir de ces richesses et l'impact sur ces populations. Examinons les mythes et réalités de cette exploitation controversée. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique englobe l'extraction de minéraux, pétrole et bois. Ces activités, bien qu'essentielles pour l'économie mondiale, posent des défis environnementaux et sociaux majeurs au continent, souvent négligés par les acteurs internationaux. Parmi les ressources principales, on trouve des minéraux précieux comme les diamants et l'or, le pétrole et le bois des forêts tropicales. Ces richesses attirent convoitises et investissements, mais aussi des pratiques d'exploitation souvent non durables. Le mythe selon lequel les ressources africaines seraient infinies persiste. La réalité est tout autre. L'exploitation incontrôlée conduit à un épuisement rapide des réserves naturelles. Cette surexploitation menace l'équilibre écologique et le développement futur des pays africains. Contrairement aux idées y reçues, l'exploitation des ressources naturelles ne profite pas toujours aux populations locales. Les bénéfices sont souvent accaparés par les élites et les entreprises étrangères, laissant les communautés locales en proie à la pauvreté et aux inégalités. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique est souvent perçue comme une bénédiction pour les populations locales. Cependant, la réalité est bien différente. Les bénéfices de cette exploitation profitent principalement aux entreprises étrangères et aux élites locales, laissant la majorité de la population dans la pauvreté. Les inégalités économiques sont exacerbées par cette situation. Tandis que quelques privilégiés amassent des fortunes colossales, la population locale continue de lutter pour sa survie quotidienne. L'accès à l'éducation, aux soins de santé et à des conditions de vie décentes reste un rêve lointain pour beaucoup. Les entreprises étrangères prétendent respecter les lois locales, mais les violations sont fréquentes. Elles profitent souvent de la faiblesse des régulations pour contourner les règles environnementales et sociales, causant des dégâts irréparables à l'écosystème et aux communautés locales. Les gouvernements locaux sont souvent perçus comme impuissants face à ces abus. Cependant, la corruption et la complicité des autorités locales jouent un rôle majeur dans la perpétuation de ces pratiques. Les élites politiques ferment les yeux en échange de pots de vin et d'autres avantages. Cette complicité entre les entreprises étrangères et les autorités locales empêche toute amélioration significative. Les régulations restent lettre morte et la population continue de souffrir des conséquences de l'exploitation sauvage de leurs ressources naturelles. Les voix dissidentes sont souvent réduites au silence. La corruption et la complicité des autorités locales exacerbent l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Les gouvernements, souvent motivés par des gains personnels, ferment les yeux sur les pratiques destructrices, permettant aux entreprises de continuer leurs activités sans entrave et au détriment des populations locales. L'exploitation minière en République démocratique du Congo illustre bien les conséquences de cette complicité. Les richesses extraites, telles que le cobalt et le cuivre, profitent principalement à une élite corrompue, alors que la majorité des habitants vit dans une pauvreté extrême, sans bénéficier des ressources de leurs propres terres. L'extraction pétrolière au Nigeria a conduit à des désastres environnementaux et sociaux majeurs. Les déversements de pétrole ont pollué les terres agricoles et les sources d'eau, détruisant les moyens de subsistance des populations locales et provoquant des conflits violents entre les communautés et les compagnies pétrolières. La déforestation massive en Afrique centrale est un autre exemple de cette exploitation incontrôlée. Les forêts tropicales, cruciales pour la biodiversité et le climat mondial, sont abattues à un rythme alarmant pour le bois et l'agriculture, entraînant une perte irréversible d'écosystèmes et de cultures locales. Les conséquences environnementales de cette exploitation sont dévastatrices, notamment la perte de biodiversité. De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées d'extinction en raison de la destruction de leurs habitats naturels, perturbant ainsi les équilibres écologiques et appauvrissant le patrimoine naturel de la région. L'exploitation des ressources naturelles entraîne souvent des déplacements massifs de populations. Les communautés locales sont forcées de quitter leurs terres ancestrales, ce qui perturbe leur mode de vie et crée des tensions sociales. Les infrastructures de base deviennent insuffisantes face à l'afflux de déplacés. Cette dépendance excessive aux matières premières freine le développement économique. Les pays africains restent vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux.
Diversifier les économies est crucial pour réduire cette dépendance et promouvoir une croissance durable et inclusive. Les multinationales jouent un rôle central dans l'exploitation des ressources africaines. Leur influence peut être à double tranchant, apportant investissement et emploi, mais souvent aux dépens de l'environnement et des droits des travailleurs. Une régulation stricte est nécessaire. Les instruments de régulation internationale existent pour contrôler l'exploitation des ressources. Cependant, leur efficacité varie. Des initiatives comme le processus de Kimberley pour les diamants visent à assurer une exploitation éthique, mais nécessitent une mise en œuvre rigoureuse pour être véritablement efficace. Des initiatives locales émergent pour promouvoir une exploitation durable. Des projets communautaires mettent l'accent sur la gestion responsable des ressources. Ils visent à équilibrer les besoins économiques avec la préservation environnementale, offrant un modèle pour un développement durable et équitable. Les communautés affectées par l'exploitation des ressources naturelles témoignent de la dévastation environnementale et des conditions de vie dégradées. Elles racontent comment leurs terres ancestrales sont détruites et leurs moyens de subsistance menacés, créant un sentiment d'impuissance et de désespoir. Les ONG jouent un rôle crucial en soutenant les populations locales et en dénonçant les abus. Elles sensibilisent l'opinion publique, promeuvent des pratiques d'exploitation durable et font pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des réglementations plus strictes. Pour une gestion plus responsable des ressources, des stratégies doivent inclure la formation des communautés locales, le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion de la transparence. These measures favorisent une exploitation plus équitable et durable des richesses naturelles. Le Botswana est un exemple de réussite grâce à la gestion prudente de ses ressources diamantifères. Le pays a su utiliser les revenus générés pour investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures, contribuant ainsi à son développement économique et social. Les consommateurs ont un rôle clé à jouer dans le changement en privilégiant des produits issus de filières responsables et en exigeant des entreprises qu'elles respectent les normes environnementales et sociales. Leur pouvoir d'achat peut influencer positivement les pratiques d'exploitation. La pression internationale et les accords commerciaux jouent un rôle crucial dans la gestion responsable des ressources naturelles. Les pays et organisations mondiales doivent imposer des normes strictes et surveiller leur application, encourageant ainsi des pratiques durables et éthiques parmi les entreprises exploitant ces ressources. La transparence et la responsabilité sont des éléments essentiels pour garantir une exploitation équitable. Les gouvernements et les entreprises doivent rendre des comptes et permettre un accès facile aux informations. Cela aide à prévenir la corruption et à assurer une gestion plus juste des ressources naturelles. En tant que citoyen, vous pouvez faire une différence en vous informant et en sensibilisant votre entourage. Participez aux campagnes de pression sur les entreprises et les gouvernements. Votre voix compte pour promouvoir des pratiques éthiques et durables dans l'exploitation des ressources naturelles. Pour récapituler, une gestion responsable des ressources naturelles nécessite une collaboration internationale, une transparence totale et une pression citoyenne constante. Il est crucial de continuer à sensibiliser et à agir pour protéger notre planète et les populations les plus vulnérables. Si ce sujet vous tient à cœur, abonnez-vous pour plus de contenu, partagez cette vidéo pour informer d'autres personnes et laissez un commentaire avec vos réflexions. Ensemble, nous pouvons pousser pour un changement positif et durable.